la baisse de chiffre d'affaires dont on souffre dans l'industrie graphique, les fameux 6% notamment qui sont les chiffres officiels de l'OFS, qui sont dus en partie à la digitalisation, en partie aux sociétés qui vont imprimer à l'étranger. Nous, on a pu maintenir notre chiffre d'affaires également par la disparition de concurrents. Il y a beaucoup d'imprimeries qui ferment leurs portes. Et quand une entreprise ferme ses portes, eh bien, il y a du travail qu'il faut quand même continuer à faire. Et notre structure permet d'absorber une bonne quantité de travail. Notre métier a évolué dans le sens où on a beaucoup plus de pression concurrentielle. Nous, on a fait le choix, il y a maintenant quelques années, de s'équiper dans tous les départements, que ce soit pré-presse ou reliure. On a ici une reliure industrielle entièrement indépendante. Nous n'avons plus besoin de faire appel à la sous-traitance pour livrer des produits. Donc tout se fait ici sous un même toit. On gagne en délai, on gagne en coût de production et en rapidité. Voilà, donc ici on a des cahiers qui sont assemblés. Et ces cahiers, on va les coudre avec du fil. Comme pour la couture, on coud les cahiers ensemble pour une meilleure solidité. Et la machine se trouve là. Alors là, vous avez les cahiers qui sont amenés sur un système d'assemblage. Et vous avez là la machine à coudre avec les bobines de fil qui vont véritablement passer le fil à l'intérieur des cahiers pour une meilleure résistance. Bien sûr, l'avenir se conjugue avec un imprimé qui va évoluer. On parle aujourd'hui d'imprimer avec de la réalité augmentée, avec des papiers qui intègrent des puces RFID. Il y a différents produits qui font leur apparition et qui donnent des pistes sur l'avenir. Le marché des imprimeurs, si on parle de la Suisse romande ou même de la Suisse, il faut pas se mentir, il va dans une direction qui va vers la complexité. Pour donner un chiffre, en Suisse, nous avons encore aujourd'hui 3 fois plus d'imprimeries qu'en Autriche pour une population comparable. Donc le marché se dirige vers une consolidation, avec une consolidation des gros, quelques petits sur des marchés, on va dire, régionaux. Mais il y aura encore un petit peu de casse, c'est sûr.